la panne d'origine a été raboutée avec un bout de panne, une sortie de panne en chaîne, bien plus petit. Parce qu'elle était bien malade, elle était pourrie. Tout ça là, a toujours pris. Mais bon, on va pas décrouler maintenant. Ça sert à rien. Là, au prix, ouais. Qu'est-ce qui est pris dedans encore, l'anneau de Dieu? Allez, c'est moi qui pilote ce coup-là. Eh, hein? Hey, c'est moi qui l'aimais. Hein? Eh, hey, t'as vu? C'est moi. Ouais, je sais. Ouais. Bon, voilà, petite télécommande, hein. Il y en a du bazar là-dessus, hein. On allait casser la croûte, ça s'est super bien passé. Je voulais vraiment encore remercier l'entreprise Boudard à Saint-Pourçain. Vraiment merci à Bertrand, à Sonia et à Laurent le chauffeur parce que putain, ça nous a fait un boulot extraordinaire. Nous, enfin,
Bon, si on ait dû faire ça à l'os, je te dis pas quoi. Bon, ensuite, on est sur la panne sablière. Donc, je les ai mises bout à bout. Et je vais quand même y mettre deux vis. Donc, c'est du 8 par 120 avec une espèce de tête large. Pour éviter qu'elle glisse, quoi, qu'elle ne bouge hein, au raccord. Donc, je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une ici. Donc je vais faire un pré-trou à 8 sur, sur celle du haut et celle du bas elle va percer directement avec la vis. Tu veux que ça aille, papa? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la longueur que j'ai d'ici, du bout le plus éloigné, à ici, ce qui me permettra de connaître la coupe que je dois faire sur ma sortie de panne. Donc j'ai déjà préparé, elle doit arriver à peu près par ici, donc il faut que je renlève encore un morceau pour pouvoir la poser à la bonne côte. Donc je ne les ai pas préparés avant, puisque je ne savais pas exactement où allait arriver ma dernière sablière. Donc ce que je vais même faire, c'est que je vais mesurer d'ici. Donc j'ai 118. 118. Allez, on a dit 118 depuis ici. Je vais prendre un poil plus, je prends 118,2. Voilà. Je vais tracer et je vais supprimer ce morceau-là. Et il me restera encore, du coup, en sortie de panne. Il me restera encore 70 en sortie de panne. Donc je vais pouvoir tailler mes sorties de panne en tout dernier. Si, comme j'avais des décalages du mur, je voulais pas me retrouver avec des sorties de panne décalées, taillées à l'avance. Comme ça là, moi, même si elles n'ont pas la même sortie du mur, je vais pouvoir les aligner correctement avec ma toiture au dernier moment. Câble. Ça fait quand même des super coupes. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut dire une lame de trousse. Ah ouais, ça fait quand même des super coupes. Hein. Super. Bon ben voilà. Ouais. Attends, parce que je vais essayer de l'engager directement au bon endroit, parce que sinon j'ai peur que ça. Attends. Tiens toi là. Il faudrait que tu prennes en cours. Est-ce que je voudrais pas. Ah, voilà. Ça fait comme. Je vais pouvoir la, visser et mais là je mettrai un petit coup de râpe ou quelque chose, pas de souci. Bon ben ça sort aussi loin que les autres, impeccable. Tu filmes de travers? Ouais, ça suit.
Voilà, pas besoin de le serrer plus. Ici, il est vraiment impeccable. De l'autre côté, par contre, il y a un jour de compétition. De compétition. Et ben oui, parce qu'en fait, elle est vrillée. Ici, on est posé. Et ici, on ne l'est pas. Donc, il faut que j'arrange ça. Mais ça, je le ferai uniquement quand j'aurai calé comme il faut sur le pignon. Et pour faire ça, et ben en fait, il faut que j'ai fait ma mortaise pour mettre ma jambe de force. Donc là, c'est juste une mise en sécurité, ce qui est très bien. Bon, j'ai gardé ma tente, je ne vais pas débâcher pour l'instant, on est le lendemain matin. Et avant de m'enflammer à mettre les chevrons pour finir, ce que je vais d'abord faire, c'est m'occuper de la mortaise, de la jambe de force. C'est comme ça. C'est sûr qu'à l'atelier, c'est plus facile de tracer ce genre de choses. Hein. Mais là, eh ben, si je veux vraiment être pas mal, j'ai pas trop le choix que de les prendre comme ça. Voilà, elle est tracée ici. C'est léger, il faudra que je nettoie après. Après, encore qu'il y ait des marques de crayon, c'est pas un mal. Hein, sur les charpentes, voilà, celle-là, elle a toujours ses marques. Enfin, c'est... Il y a toujours des traces qui vont rester. Après, voilà, ça fait partie du charme du truc. Hein. Ah. Ça, je sais que je dois pas dépasser mon scotch. Une... Bon, alors j'étais venu pour brosser mon chevron, puis bon, ici le tenon est cassé et il est relativement faible et franchement c'est pas terrible. Quand je vais recheviller là-dedans, ça sera pas bien solide. Donc j'ai des chevrons d'avance, j'en avais prévu plus, les chevrons du gîte, hein, les chevrons d'origine. Là, c'en est un en chêne américain. Donc du coup, ce que je vais faire, vu que c'est une simple jambe de force, eh ben, je vais utiliser ça, qui est de la même section. Hein. C'est les mêmes bois. Je vais retailler une jambe de force, je vais refaire les tenons, et puis on mettra ça en lieu et place. Ça sera moins joli parce que ce sera du bois neuf, mais bon, au moins, on aura une résistance réelle. Je vais prendre ici, ici. Ici. Voilà.
ici de... câble. Voilà la bestiole, je vais y mettre un petit coup de brosse pour enlever les stigmates du travail et les petites taches, les petites choses comme ça, et puis on va aller mettre ça en place, ça devrait bien aller. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon clou là, pour la laisser libre, et je vais la lever au faîtage. Elle vient sans cliqueter dedans, et du coup après elle ne peut plus bouger. Bon là, je l'ai levé au maximum de ce que je peux la lever, après ça devient dangereux parce qu'elle bouge maintenant à chaque tour. Ouais, là c'est bon. Je te la tiens pour que tu redescends. Oh, elle devrait se guider là normalement, mais là je vais aller descendre gentiment. Attends, je reste quand même encore à l'abri au cas où, je voudrais pas que tu te prennes un truc sur la tête. Voilà, on est posé. Bon, j'ai réussi à atténuer quand même le jour, à la mettre en place correctement, plus ou moins. Elle va pas se sauver, hein. Je vais quand même mettre une tige filetée ici avec un boulon carré, puisqu'en fait le dessus de la poutre n'est pas pris dans le tenon de la ferme, donc pour être sûr d'assurer le truc en fait, et ça me permettra peut-être de la repincer un petit peu ici correctement. Ça tend, hein.
Alors ensuite, je vais prendre ma tige filetée de 16. Je vais y engager un boulon dessus. Comme ça, ça va me permettre de taper dessus sans abîmer le filet. Donc je vais mettre l'écrou hexagonal en haut avec une rondelle plate et je vais aller chercher un écrou carré. Alors voilà l'écrou carré. C'est un peu voilà, ça fait moins mécanique quoi, ça fait plus charpente. Je suis pas sûr que ça le fasse revenir beaucoup, hein, mais... Bon, j'ai réussi à récupérer un petit peu. C'est quand même moins moche que ça n'était. C'est pas l'extase absolue, mais ça ira bien. Voilà, c'est pas nickel nickel, il y a des petits jours, tout ci tout ça, mais ça ira quand même, hein. Non? Alors ensuite, je vais refixer mon échantignol correctement. Donc j'y ai mis deux tire-fonds de 160 ici, de 8 par 160. Et ce que je vais faire, pour solidifier vraiment la chose, je vais rajouter dans chacune des échantignoles un tire-fond de 12 par 300 qui va venir se ficher à peu près à la moitié de mon échantignol dans ma réhausse qui est boulonnée, je vous le rappelle, hein, avec une tige filetée de 16 et de boulon, et qui viendra encore se ficher dans la pièce de charpente. Comme ça, on aura vraiment une bonne solidité. Je vais prépercer à 12, donc diamètre, de mon tire-fond sur la partie échantignol, et ensuite à 10 sur le chêne, puisque c'est du 12, il va venir se visser sans trop d'effort dans le chêne, et c'est du chêne vraiment dur, ça bougera pas quoi. Et on va passer à 10. Juste pour information, si vous avez le choix entre ces deux types de forêts, vous avez forêt mèche à bois, hein, spirale, et forêt, on va dire, plus standard pour le bois, préférez celle-là. Vous allez les payer un peu plus cher, mais alors il y a une meilleure évacuation des copeaux. Vous allez peiner beaucoup moins à percer qu'avec ce genre de mèche-là. C'est beaucoup plus fastidieux, il faut appuyer beaucoup plus fort. À qualité égale, préférez celle-là. Hein. Voilà, un peu de gras, toujours pareil, sur mon tire-fond. Il n'est pas super bien mis. J'aurais pu le serrer encore un peu, mais comme il tend, je suis désolé pour la luminosité, hein. Comme il tend, là, il commence à tendre. Je suis à peu près certain de le casser. J'en ai déjà cassé un ailleurs, donc je ne vais pas jouer avec le feu. Il est mis en place. C'est une partie qui ne sera pas visible de la charpente, hein. On sera sous l'isolant. Donc moi, il est mis en place. Il traverse. Il vient rattraper la poutre jusque-là. Donc c'est ce que je voulais. Et il vient surtout plaquer contre l'échantignol. Donc là, on est bon. Thank you.
tu vois, ça va pas. Ouais. Rigolez pas, c'est 15 minutes pour caler la caméra. C'est un quart d'heure dans Tanouchka, alors que le soleil se couche, qu'on n'a pas posé les charbons, qu'on n'a pas mâché, parce qu'on aime ça. Va alors, c'est trop haut. Encore trop haut. Là. Ok. Attends, parce qu'il y a le pied de la caméra. Vas-y. Pousse. Tu vois, pousse ce coup. Voilà. Normalement, il est dedans là. Pourquoi il va pas? Ah mon dieu. Pousse un peu. Ah, descends. Ah. Ah, ça y est. Voilà, il est bon. On y va? Ouais. Le temps? Ouais, j'ai vraiment fait de la merde là, hein, avec mon classement de chevron. J'aurais dû mettre là sur deux, ça fait bonnet. Hein. C'est pour ça que je voulais rapprocher les chevrons, tu m'as dit oui, mais en fait... Attends, c'est bon. Ouais, c'est bon. Attends, attends. Tu m'as dit oui pour me faire plaisir. Pour te faire... Bah oui, pourquoi tu m'engules? C'est bien que je te crains. Là, faut le monter. Ouais. Hop. Bon. Mais comment? Oh là, on n'est pas bon là. Non, on n'est pas bon là. Sortie, est-ce que tu peux défaire le serre-joint, ma chérie, s'il te plaît? Celle-là, faut que je recoupe aussi. Monte-le. Voilà. Ah bah il y va. Impeccable. Là, je suis passé. Ouais. Décroche. Vas-y. Bon, je pourrais pas vous filmer l'espacement fini avant la nuit, donc je vous fais un petit visuel rapide. Bon, il y a des défauts, évidemment, hein, c'en est plein. Il y en a, mais bon, la globalité me satisfait énormément quand même. Sachant que si j'avais voulu faire ce genre de travaux par une entreprise quelle qu'elle soit, ça aurait été certainement mieux fait. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu se le payer. Voilà. Eh bien, on va finir ça. On va bâcher. Alors à bâcher, bon, ben, on tend la bâche. Hein. Il n'y a rien de sorcier à bâcher. Et puis moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut!